êtes depuis quelques semaines, je crois, sur le thème de la guérison. Dis avec moi, je veux être guéri. Dis, je crois à la guérison. Et dis, je reçois la guérison. Dis encore, je veux être guéri. Je crois en la guérison. Et je reçois la guérison. Le pasteur Jérémy, la semaine dernière, nous a dit, sur la base de la parole, que Dieu veut te guérir. Et Dieu peut te guérir. Amen. Alléluia. Dieu veut te guérir. Dieu peut te guérir. Maintenant, est-ce que Dieu va te guérir? Alléluia. Donc, avec Dieu, tu auras toujours ta part à faire. Dieu ne vient pas juste pour te donner ou te dit ouvre la bouche, tu sais qu'on fait avec les enfants, et puis te met la petite nourriture ou le médicament dans la bouche. Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu fait sa part et tu dois faire la tienne. Alléluia. Dieu va toujours commencer, la bénédiction de Dieu, elle commence toujours par une parole. Toujours, toujours. Au commencement, était là? Voilà. Dieu commence toujours par une parole. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer sa volonté à ton égard. Seulement, Dieu ne te forcera pas. Contrairement au diable qui use de ruses pour te forcer à la faute ou te pousser à la faute. Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Et Dieu te dit, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc il faut être conscient de ça. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Beaucoup de personnes disent, oui, mais si Dieu... Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. C'est pas qu'ils ne... Enfin, beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Maintenant, beaucoup de personnes ne veulent pas donner leur cœur à Dieu ou ne veulent pas s'ouvrir à Dieu parce qu'ils se disent que si vraiment le bon Dieu que vous prêchez existe, pourquoi tant de calamités? Pourquoi ma petite fille s'est fait violer? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi ma sœur a été kidnappée? C'est-à-dire que l'on met sur Dieu une tonne de méfaits alors que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Mais j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. » Ça signifie que si moi j'ai pour toi des projets de paix, c'est qu'il y en a un autre qui a pour toi des projets de malheur. Ce n'est pas moi. Je te rassure, j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur. Parce que je veux te donner un avenir et je veux te donner de l'espérance. Mais on passe très souvent et très rapidement sur « Je n'ai pas pour toi des projets de malheur. » On passe tout de suite à « Seigneur, si tu as pour moi des projets de paix, pourquoi je ne vois pas ces projets de paix? Ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. » Mais regarde bien le verset, il y a aussi des projets de malheur. Jean 10, verset 10, la Bible dit « Le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. » Jésus dit, moi je suis venu pour vous donner la vie, à la vie en abondance. Dis-moi amen. Amen. Dans le livre de Psaume, Dieu dit que là où deux ou trois sont, il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que le fait d'être ensemble en présentiel ici, il y a une bénédiction que Dieu libère. Donc Dieu veut tout faire pour nous bénir. Dis-moi amen. Le souci, c'est que l'homme ne saisit pas tout ce que Dieu veut faire et peut faire. Et des fois, la Bible dit, mais mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mon bras n'est pas trop court pour vous aider. Mais quand je veux le faire, je vois que vous ne pensez pas comme vous deviez penser. Je vois que vous n'êtes pas là où je veux vous bénir. Parce qu'il y a toujours un endroit où Dieu t'attend pour que sa bénédiction elle soit manifeste pour toi. Ce n'est pas Dieu qui bloque, ce n'est pas Dieu qui freine, ce n'est même pas le diable, c'est toi et moi. Dis aïe. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est simplement, je veux, je crois, je reçois, je veux, je crois, je reçois. La foi qui conduit à la guérison. Arriver à la guérison est un parcours. Même si c'est manifeste déjà, il y a un parcours que tu dois accomplir.
Dis-moi amen. Amen. C'est un parcours. Et nous n'aimons pas faire d'efforts. Et plus le monde avance, moins nous faisons d'efforts. La société fait en sorte que nous faisions le moins d'efforts possible. Le pasteur Jérémie a dit tout à l'heure pour les offrandes. Dans le livre de Malachie, la Bible dit « apporter dans la maison du trésor ». Le mot « apporter » veut dire « je me lève et j'apporte ». Vous allez voir, c'est pas mauvais. Je prends juste un exemple. Mais vous allez voir que de plus en plus, on n'a même plus besoin d'apporter. On prend le téléphone. Pouf, allez, c'est parti, Seigneur, reçois. Tout est rapide. Plus on gagne du temps, mieux c'est. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des étapes. Par étapes. Il n'y a pas d'avance rapide. Parce que pour tout ce que Dieu veut que tu reçoives, il y a une forme de maturité. Et cette maturité, tu l'acquiers dans le parcours. Dis-moi. Et même pour la guérison, c'est la même chose. Le verset de base, c'est 3 Jean 1, verset 2, que Dieu m'aide à expliquer dans le temps. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu... On peut être ensemble? On est ensemble? On peut faire ça? Ok, super. Ok, on y va. 1, 2, 3... Et que, soyons en harmonie, 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 harmonie. 1, 2, 3, on y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Alors Dieu dit ici, c'est l'apôtre Jean qui parle, mais ce que l'apôtre Jean dit n'est que le reflet de ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Il dit, mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu prospères à tout point de vue, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de ta santé. Et ensuite, il rajoute une chose. Cette prospérité que tu vas expérimenter dépendra de l'état de ton âme. Quelle est la santé de ton âme? De la santé de ton âme dépendra ta prospérité à tous égards. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà pourvu puisqu'il le souhaite. Le souci, c'est toi et c'est moi. Ça veut dire que dans un domaine où ça ne va pas, ça signifie que dans ce domaine-là, je suis malade dans mon âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. La bénédiction de Dieu ici, vous voyez, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards » et il dit « Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, il est en train de dire que tu sois en bonne santé, il parle du corps et ensuite il parle « comme prospère l'état de ton âme » donc il parle de l'âme. Amen? On est ok? Il parle et du corps et il parle de l'âme. Est-ce que je peux avoir mes trois personnes? Mes trois personnes? Elles sont où? Ils sont où mes trois cobayes? Venez vite. Ok, vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Il est où le plus costaud? Ok, viens, viens. Ok, monte. Il y a une chose des fois qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu veut nous guérir totalement. Quand il dit totalement, ça veut dire que l'une des premières erreurs que nous faisons, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'homme est composé. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, second 21, la Bible dit « Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, ok, et que tout votre être, esprit, âme, être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. » Dans la version Parole de vie, je dis « Que le Seigneur de la paix, que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne. » Ça veut dire que Dieu s'engage à nous garder totalement à lui. Waouh, dis amen avec moi. Amen. Votre esprit, votre âme et votre corps, alors on ne pourra rien vous reprocher. Mais attends Seigneur, tu as dit que tu vas nous garder si c'est toi qui nous gardes. Pourquoi la Bible dit qu'on ne pourra rien me reprocher? Puisque c'est toi qui me gardes.
Non, ça veut dire que Dieu a pourvu à tout et c'est maintenant à toi de prendre la provision pour que dans l'esprit, l'âme et le corps, tu sois bien nourri. Dieu a fait les courses pour toi. Maintenant, à toi de préparer. Alors, de quoi est composé l'homme? L'homme est le corps que vous voyez. Dis amen. Ok? Je suis en train de réfléchir qui est qui entre vous deux. Ensuite, juste derrière, colle-le bien. Il ne faut pas que... Âme. Non, pas cette image. Voilà, très bien. Très, très bien. Vous avez l'être humain. Mais l'être humain est trois. L'être humain n'est pas un. Il y a le corps. Il y a l'âme. Et il y a l'esprit. C'est de ça que tu es composé. Quand Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est esprit, âme et corps. Alléluia. Et il dit que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que le corps doit être en bonne santé, l'âme doit être en bonne santé et l'esprit doit être en bonne santé. Ok. Maintenant, de quoi on nourrit le corps? Parce que le corps, c'est ce que l'on voit et c'est tellement visible. De quoi va se nourrir le corps? Le corps va se nourrir. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Jérémy, tu ne m'as pas loupé. Là. Le corps va se nourrir d'une nourriture saine et équilibrée. Non, pas de riz. Non. Pas de poutine. Non, non, il n'y a pas de or. Rien. Pas de ça. OK? Vous allez vous rendre compte que ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis en train de développer le premier point. C'est qu'il y a des choses que tu dois comprendre d'abord. La Bible dit que mon peuple périt, meurt. On peut dire que périr, c'est la maladie. Mourir, c'est la maladie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le premier point, c'est qu'il faut déjà que tu comprennes que tu es trois en un. Tu n'es pas corps, en fait. Tu n'es pas seulement âme. Et tu n'es pas seulement esprit. Je suis corps. Je suis âme et je suis esprit. Dans le bon jargon chrétien, on dit « je suis esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps ». Mais les trois entités vivent. De la même manière que tu dois nourrir ce corps pour qu'il soit en bonne santé, tu ne vas pas le nourrir tout le temps de fast-food. Comment on dit nourriture rapide? Fast-food? Non, comme je suis au Québec, tout doit être en français. Donc c'est bon. Donc, tu ne dois pas seulement être nourri de nourriture rapide. Tu dois être, pour que ce corps soit en bonne santé, il lui faut une nourriture équilibrée. Dites-moi amen. Et ce n'est pas tout. Et il lui faut, comme tu es bien musclé, mon frère. Et tiens, et il lui faut des exercices. Parce que tout ce qui est grand et costaud et gros n'est pas forcément en bonne santé. Dites-moi amen. Donc, pour qu'il soit en bonne santé, il lui faut une bonne alimentation et il lui faut des exercices. Ça, c'est pour que ce corps soit en bonne santé. Dites-moi amen. Amen. Regardez ce que Daniel dit. Dans Daniel 1, verset 8, Daniel, la Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. OK? Et les vins de ses banquets. La table du roi. La table. Table du roi, le meilleur vin, la meilleure viande. Waouh! Mais ça c'est de la bonne nourriture. Daniel dit, je ne vais pas me souiller avec cette nourriture. Continue la suite. Il dit, je ne vais pas me souiller avec cette nourriture. Donc il décide, je peux lire le verset, il décide plutôt d'avoir au verset 12, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Et que l'on donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Ça, je vais pas, quelqu'un va pas m'aimer aujourd'hui, c'est pas grave. C'est juste une prédication. Après, je m'en vais, donc il n'y a pas de souci. Alors, donne-nous des légumes à manger et de l'eau à boire. Donne-nous ça. Au verset 23, au verset 15, au bout de 2 jours, 10 jours, regardez bien le résultat. Au bout de 10 jours,
Ils avaient meilleure apparence. Ils avaient pris du poids. Ça veut dire, oui, donne-moi un bon amen là-bas. Oui. Ils avaient pris du poids avec des légumes, avec de l'eau. Tu es balèze. Tu as pris du poids. Il n'a pas pris de la graisse, il a pris du muscle. Il a pris de la force. Il a pris de l'embonpoint. Dans le bon sens, hein? Pas de l'embonpoint. Donc, pour que tu sois fort, oui, fort, que tu sois fort, il faut, te faut une bonne nourriture et de l'exercice. Mais tu n'es pas que corps. Tu es aussi âme. Et c'est là où ça commence à devenir difficile. Amen. Alors, quelle est la nourriture de l'âme? C'est quoi la nourriture de l'âme? Alors, la nourriture de l'âme, voilà. La nourriture de l'âme, c'est des bouquins. Et encore là, tu es gentil, hein, tu m'as donné des bons bouquins. C'est des bouquins. Science, physique, chimie, économie. Allez, lis. Voilà. Tout ce que tes parents te disent, tout ce que tes amis t'ont dit, tu vois. Si on te dit, t'es un champion, mon fils, c'est une nourriture. Qui en dit, mais stupide là, c'est une nourriture aussi. Écoutez-moi bien, c'est une nourriture aussi. Ok? Espèce de petit C là, hein? Rentre dans ta chambre. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu lis te nourrit. Tout ce que tu emmagasines te définit. Tout ce qui nourrit ta pensée produit ta destinée. Tout. Tout. Donc la nourriture de l'âme, c'est tout ce que l'âme entend, lit, étudie, comprend et ça forge sa raison. Ça forge son système de pensée. C'est une nourriture de l'âme. Et donc, pour avoir la bonne nourriture de l'âme, c'est quoi? Il faut que cette nourriture de l'âme soit la parole de Dieu. Que tu n'apprends pas à l'école. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui sont remplis de connaissances dans le monde ont toujours du mal avec Dieu. Parce que plus ils grandissent et ils sont nourris de science, plus ils raisonnent. Et la science est l'ennemi de la foi. Parce que la science doit se prouver. La foi, on ne prouve pas. Et donc, beaucoup de personnes sont nourries ici, énormément nourries, avec tout ce qu'ils ont appris à l'école et dans la vie. Donc, quand tu viens à Christ, Romains 12, verset 2, tu dois renouveler tes pensées par ce que Dieu dit de toi. Dieu va dire, tu es une créature merveilleuse. Dieu va dire, il a pour toi des projets de paix. Dieu va dire, tu n'es plus faible, tu es fort. Dis-moi amen. Alléluia. Donc la nourriture, la bonne nourriture de l'âme, c'est la méditation de la parole et la confession. Que le faible dise, je suis. Et que le malade dise, je suis. Pourquoi? Parce qu'il l'a appris d'ici. Dis-moi amen. Ce n'est pas tout. Maintenant, le plus important, j'avais choisi ta Bible. Le plus important, c'est l'esprit. Alors, il est totalement inexistant. Parce que les gens ne connaissent même pas l'esprit. Le problème, c'est que tu es esprit parce que ton Père Dieu est esprit. Donc, en réalité, le pilote de tout ça, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est lui. Quand tu nais de nouveau... Qui naît de nouveau? Lui. Qui est à l'image de Dieu? Lui. Tel Dieu est, tel il est. Et donc lui, quand il naît de nouveau, il est enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est le plus petit. C'est un enfant de Dieu. Oui. Mais regardez bien, la Bible elle est claire. La Bible dit, un enfant nous est né en parlant de Jésus, mais c'est un fils qui nous est donné. Donc, entre l'enfant et le fils, il y a eu un parcours, il y a eu un développement. Et le problème, c'est que comme beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de l'esprit, ne nourrissent pas l'esprit. Et donc, l'enfant de Dieu reste enfant
malgré 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, il est toujours enfant de Dieu. Il n'a pas grandi pour être fils. La Bible dit que l'enfant Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Et donc, les chrétiens ne grandissent pas en stature, en sagesse et en grâce. Donc, quand tu as connu Christ, tu faisais des petites demandes. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Mais comme tu es un enfant, Dieu te donnait. Mais au bout de 3 ans, pour Dieu, tu n'es plus un enfant. Donc, la même demande que tu fais, Dieu ne te donne plus. Et donc, tu as l'impression que la vie chrétienne devient dure. Non, tu n'as pas continué à grandir. Parce que si tu peux accepter qu'un enfant fasse pipi au lit à 1 an, à 5 ans, tu n'acceptes plus. Si à 5 ans, tu acceptes de lui faire à manger, à 17 ans, tu n'acceptes plus de lui faire à manger. De la même manière que tu attends que ton enfant grandisse, Dieu aussi attend que son enfant grandisse. Et donc l'enfant de Dieu grandit par la méditation de la parole. Mais là, on n'est plus au niveau de la méditation. Là, maintenant, on est au niveau de la prière inspirée par l'Esprit. Parce que la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Dans Galates 5, verset 16, la Bible dit que ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit. Il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Ça veut dire que l'Esprit doit grandir pour qu'en réalité, il ne soit plus derrière, mais en réalité qu'il soit devant. Mais comme l'Esprit ne se voit pas, on verra quand même lui, mais on va percevoir lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le combat se mène ici. Dans le psaume 103, verset 2 à 3, dans le psaume 103, le verset 2 et au verset 3, la Bible dit, regarde bien, la Bible dit, mon âme, ouais, c'est ça, il dit, bénis l'Éternel mon âme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler à lui-même. Il dit, mon âme, bénis Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que la méditation de lui, c'est pas que toutes tes expériences, tout ce que tu as appris, non, tu dois être conscient de ce que Dieu a fait. Est-ce que tu as payé pour que Dieu te réveille ce matin? Pour que tu te réveilles? Non. Est-ce qu'on t'a branché hier comme ton téléphone? Non. Est-ce que le fait que tu sois arrivé à l'église, est-ce que tu sais que c'est une grâce de Dieu? Oui. Regarde tous les bienfaits que Dieu a manifestés à ton égard. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même, mets le verset 4, même quand tu passeras par la maladie. Mets le verset, la suite du verset, verset 3. Il dit, même quand tu passeras par la maladie, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si Dieu a déjà fait ceci, si Dieu a déjà fait cela, et si Dieu a déjà fait cela, alors, mets juste la suite du verset, même si tu ne l'as pas, il dit, alors, ou bien, je ne l'ai pas, il l'a pas, je ne l'ai pas, il l'a pas, ok. On va rentrer. Psaume 3, psaume, tu peux me trouver le psaume? Non, au moins tu es sincère. Au moins tu es sincère. Oui, c'est ça, très bien. Il dit, regarde, c'est lui... Non, va au verset 3, c'est le verset 3? Juste le verset 3? Voilà. Regardez juste avant. Il dit, juste après, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, n'oublie rien. Pourquoi? C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Si tu n'apprends pas à dire merci à Dieu, et si tu n'apprends pas à méditer sur tout ce que Dieu fait, la guérison tardera. Mais si tu apprends à dire merci à Dieu pour les petites choses, peu importe le temps que ça prendra, la guérison arrivera. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Donc il faut que tu comprennes que je suis corps, je suis esprit. La parole de Dieu que tu as méditée, elle est dans ton cœur. Et l'Esprit vient prendre cette parole. Et ta vie est conduite maintenant par l'Esprit.
Et si ici l'esprit prend le contrôle, alors l'esprit prend le contrôle de tes pensées et l'esprit prend le contrôle de ta santé. Dis-moi amen. C'est pourquoi c'était important que tu puisses savoir, comprendre que tu es trois en un et que les trois ont besoin de nourriture. Si tu passes ton temps à nourrir le corps, la maladie, elle est spirituelle, de la même manière que la bénédiction est spirituelle. Donc, la bénédiction rentre par ici, la guérison rentre par ici. La maladie peut rentrer par ici ou par ici. La maladie ne peut pas rentrer par ici. Mais comme tu es petit, tu n'as pas de force. Donc, ils sont deux contre un. Ils sont deux contre un. Lui te montre que la maladie, elle est visible, tu la vois. Lui te dit, de toute façon, ta mère a eu cette maladie. Ton père a eu cette maladie. C'est dans sa mémoire. Et toi, tu dis quoi? Dieu a dit... Qu'est-ce que Dieu a dit déjà? Non, c'est Pasteur Jérémie. Pasteur Jérémie avait dit, mais le temps que tu dises, ils vont te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois le nourrir. Lui, il devient fort quand il prie sur la base de la parole et quand il jeûne. Quand il jeûne, il affaiblit lui. Quand il prie, il combat lui. Dis-moi amen. Alléluia. Soyez avec moi encore. Alléluia. Alors concrètement maintenant, comment je dois faire? Comment je dois procéder pour ma guérison? Jean 13, verset 17, la Bible dit, si vous savez cela, donc je vous l'ai expliqué, regardez ce que Dieu dit, vous êtes heureux. Si vous êtes conscient, vous êtes heureux. À condition que vous les pratiquiez. Donc connaître, c'est bien, pratiquer, c'est mieux. En réalité, on dit, vous savez, les croyants, non. Dieu n'appelle pas les croyants, Dieu appelle les pratiquants. Dieu n'a jamais appelé les croyants. Un disciple, c'est un pratiquant. Un disciple a une discipline. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Ça veut dire des pratiquants, pas des croyants. Les croyants ne font que croire intellectuellement, mais ils ne mettent jamais en pratique. Tu viens à l'église, tu apprends, pratique! Et la guérison jaillira. Alors, qu'est-ce que tu dois pratiquer? Trois choses. La première chose que tu dois pratiquer, c'est « Je veux être guéri ». Je veux. Rappelle-toi le titre. C'est la foi qui conduit à la guérison. Je veux, je crois et je reçois. Donc, je veux être guéri. Autrement dit, je désire la guérison. Je désire la guérison. Je désire la guérison. Je sais que Dieu veut me guérir. Moi aussi, je veux être guéri. Quand quelqu'un me dit, je veux être guéri. Non, c'est encore mou. Non, c'est encore mou. Ça commence à arriver. Ah, c'est moyen. Voilà, ça arrive là. Oui, écoutez, oui, écoutez-moi bien. Je vais vous le prouver bibliquement. Ce qui est terrible, je vais vous le prouver bibliquement. Je vais vous le prouver. Vous savez qu'un homme conduit par l'esprit, frôle la folie. Oui. Éphésiens 5, verset 18. Tu en as parlé aussi, je crois. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ok? Non, Éphésiens 5, 17. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ok. Alors, Paul compare quelqu'un qui est ivre à quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Ok, comment une personne ivre se conduit? Mais c'est ça en fait.
Et donc il dit, si vous voyez une personne ivre, alors une personne qui est ivre de l'esprit se conduit de la même manière. Ça veut dire que des fois, avec Dieu, pour pouvoir accéder à ce que Dieu veut vous donner, vous allez devoir franchir ce que vous considérez comme anormal. Vous allez devoir faire ce pas. Vous ne le ferez pas pour quelqu'un, vous le ferez pour Dieu. Parce que Dieu n'opère pas par rapport à la raison, par rapport à la normalité. Dieu opère dans la dimension de l'anormal. Dites-moi amen. Dites encore amen. Quand il dit je veux être guéri, ça veut dire que Dieu doit voir que tu désires pleinement ses promesses. Tu le veux de tout ton être. Tu le désires de tout ton être. Tu veux parce que tu sais que Dieu peut. Et si Dieu peut, alors je veux. Seigneur, je veux. Je veux. Et Dieu sera sensible à ce cri parce qu'il va attendre, il va voir comme le peuple d'Israël après 430 années. La Bible dit, Dieu parle à Moïse en disant, j'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant tu peux aller le délivrer. Mais Seigneur, ils sont esclaves depuis 430 années. Oui, mais c'est comme si leur cri n'était pas vraiment... c'est comme s'ils criaient, mais bon, c'est pas encore ça. Parce que je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se séparer de leur maladie. J'ai rencontré une fois dans le métro, dans le RER, j'étais tout content, je disais, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur, je t'aime. J'avais mon casque, oh Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Et puis, j'entends la voix de l'Esprit qui dit, oui, tu m'aimes? Ok. Est-ce que tu peux me le prouver? Je dis, oui, je peux te le prouver, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Il dit, ok. Si tu m'aimes, donc tu vas parler de moi. Je dis, oh, qui tu veux, Seigneur? Et il me dit, regarde juste à côté de toi, la personne qui est assise juste à ta droite. Alors, je me tourne. C'était un maghrébin musulman sur une chaise roulante. J'ai dit, non, c'est pas toi qui me parles. C'est pas toi qui me parles. Je dis, si. Tu m'aimes, prouve-le. Tu m'aimes, prouve-le. Parle-lui. Je dis, je peux pas, Seigneur, je peux pas. On est dans le métro, écoute, ça le fait pas. C'est pas correct. Et puis, il est musulman. Je suis musulman. Je veux dire quoi? Il dit, parle-lui. Alors, je me suis tourné vers ce monsieur. Et puis, j'ai dit, question stupide, mais vraiment stupide. J'ai dit, bonjour, ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaise roulante. Et puis, il me regarde. Avec les yeux remplis de compassion, il dit oui. Il a vu que j'étais gêné. Il dit non, mais t'inquiète pas, ça va. Il dit oui, je suis comme ça depuis. Voilà, ça. Je suis né avec, c'est pas un souci. Il dit ok. Donc j'étais en train de balbutier et puis il me dit mais t'inquiète pas, c'est ce que Dieu veut pour moi. Alors là, j'ai dit non. Oui, dès qu'il a dit c'est ce que Dieu veut pour moi, j'ai dit non. Non, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit imparfait. Dieu ne peut pas et Dieu t'aime, Dieu t'aime. J'ai commencé à lui prêcher la parole. J'ai oublié, je ne sais plus si j'étais dans le métro, je n'en sais rien. Je lui ai prêché la parole. Et puis Dieu me dit, mais donne-lui ta main. Alors j'ai dit, donnez-moi votre main. Alors je lui ai donné la main. Et puis j'ai dit, on va prier ensemble. Tu veux? Il dit, oui, je veux. Et j'ai commencé à prier. Et quand je commençais à prier, il s'est mis à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais je vois comme des fleuves qui quittent, qui sortent de vous et qui viennent sur moi. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et il pleurait, et il pleurait. Je dis, waouh, Seigneur, tu es fort. Et puis il dit, c'est bien, mon fils. Maintenant, dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai dit, t'as menti. Jamais, je ne fais pas ça. Pourtant, c'était la même voix. Il m'a montré exactement. Quand Pierre est avec Jean, et puis il dit, c'est exactement la même scène. J'ai vu cette scène. Elle est sortie de moi. Il me dit, maintenant, fils, c'est le moment. Dis-lui, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et prends-le. J'ai dit, non. Je suis revenu comme Pierre. J'ai regardé le vent. J'ai regardé la tempête. J'ai dit, non. Et il est parti. Et quand il est parti, mon cœur a été meurtri.
Mais j'avais mal, d'une sorte, une peine comme jamais je n'ai vu cette peine. Il y a des personnes qui disent, c'est ma maladie. C'est mon cancer. C'est ma douleur. C'est ma souffrance. Je suis comme ça. C'est ma dépression. Les gens sont bien et c'est mes médicaments. Mais vous vous appropriez ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit toujours, est-ce que tu veux être guéri? Il est venu voir la personne qui était malade depuis 38 ans. 38 ans, oui. 38 ans. C'est à moi? Non, c'est à moi. Merci. Il est venu voir le paralytique depuis 38 ans. Vous connaissez? À Bethsaïda. Dieu lui pose, Jésus lui pose une question, mais c'est terrible. Depuis 38 ans, il est infirme. Et puis il dit, Jésus vient, est-ce que tu veux être guéri? S'il m'avait fait ça à moi, j'aurais dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui a marqué ici? Pourquoi? Parce que Dieu sait. Est-ce que tu veux vraiment te séparer de cette peine et de cette douleur? Tu es sûr? C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu penses au plus profond de toi, et moi je sais à l'intérieur. Que cette peine te permet d'avoir la pitié des gens. Tu es content en fait quand tout le monde s'occupe de toi. Tu vois, quand tu es fragile, tu vois. En gros, tu aimes ça. Tu ne veux pas te libérer de ça. Voilà pourquoi Dieu te demandera toujours, est-ce que tu veux? Même si ça fait 38 ans que tu es dedans. 38 ans, c'est devenu ton meilleur ami. Cet handicap est devenu ton meilleur ami. Et regardez cette personne. On devait la soulever. Mais c'est parce qu'on ne me soulève pas, on ne me porte pas. Elle aimait dépendre des gens. Tu as peur de sortir de là et de t'abandonner totalement les mains de Dieu. Donc tu préfères rester dans ta zone de confort qui est la douleur et la souffrance et la maladie. Alors à un moment donné, il rencontre un autre, il rencontre Bartimée. Est-ce que quelqu'un me suit? Marc 10, verset 51. Il rencontre Bartimée. Mais écoute, Bartimée est quoi? Il est aveugle, n'est-ce pas? Alors la Bible dit que Bartimée a entendu du bruit. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déposez ça, déposez. Déposez-le et puis venez. Oui, dépose tout. Sauf l'autre, sauf la Bible, tu le déposes là-haut. Alors, je joue Bartimée. Et vous êtes... Alors vous m'emmenez tous les matins pour que je me mette... voilà, je ne vois pas. Allez-y, je ne vois pas. Je ne vois pas. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller commander. Non, mais je n'ai pas envie. Ça va. Je suis fatigué. Je suis malade. Non, je n'ai pas envie. OK, donc je suis obligé, c'est ça? OK. Ouais. Donc, ils l'ont déposé là. OK. Parce que la Bible dit que Bartimée avait comme des geôliers qui profitaient de lui. Mais je ne sais pas combien tu vas me donner, en fait. J'en sais rien. Tu peux me donner 100 $, 200 $, 500 $. J'en sais rien, puisque je suis aveugle. Donc, c'est vous qui profitez. Okay. Alors, Bartimée est là, et puis à un moment donné, il entend, il y a du bruit. Il dit, c'est quoi? Il paraît que c'est Jésus. Jésus? Jésus, Jésus? Le Jésus? Jésus? Le fils de David? Waouh! La promesse! Alors, il se met à dire, il est où? Il est où? Il voit rien! Il y a la foule avec Jésus! Alors, il dit, fils de David! Aie pitié de moi! Alors eux disent, tais-toi, allez-y. Oui. Arrête de parler. Non. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, fils de David! Aie pitié de moi! Oui! Il voulait! J'en ai assez! J'en veux plus! Et Jésus, ce n'était pas une voix audible normale. C'était une voix qui venait du cœur. Et ça a transpercé la foule. Et Jésus, qui est un homme spirituel, a entendu ce cri. Jésus a dit, quelqu'un m'appelle. Appelez-le. Alors il vient. Alors comment il vient? Comme ça? Tenez-moi. Il vient comme ça. Vous pensez que Jésus ne voit pas qu'il est aveugle, franchement? Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse?
Des fois, on est trop orgueilleux, en fait. Viens devant et demande, parce que tu as besoin. Dieu a besoin que tu fasses ce pas de foi. Dieu a besoin que tu te lèves. Tu vas t'asseoir, tu dis, oh, s'il est Dieu, il sait. Ah bon? Tu vas rester assis. Toi et ta maladie. Dieu a toujours besoin que tu te libères de ça. Il faut que tu veuilles. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut que tu veuilles. Et des fois, ça va demander que tu puisses crier. Parce que le « je veux » te connecte à la volonté de Dieu. La Bible dit dans Amos 3, verset 3, la Bible dit, « Deux personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord ?» Deux personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord ? Le « je veux », c'est la marche vers la guérison. Le « je veux ». Quand je veux, je suis en train de prendre ce parcours qui m'emmène vers la guérison. Parce que Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux pas et que tu ne souhaites pas au plus profond de ton cœur. C'est une marche. Le « je veux », c'est une marche pour être en accord avec Dieu. C'est comme s'il vient. C'est comme si Dieu est là. Dieu est là. Notre guérison est là-bas. Et le « je veux » fait ça. Le « je veux », on se met en accord avec Dieu qui m'emmène vers la guérison. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas en accord. C'est en accord sur la volonté de Dieu, pas la tienne. Les moyens de Dieu, pas les tiens. La manière de Dieu, pas la tienne. Donc le « je veux », c'est que je me livre entre tes mains. Dis-moi « amen ». Le deuxième point, c'est « je crois ». Il est rapide celui-là. Le « croire », c'est la foi en la capacité de Dieu à te guérir. La foi, le « je crois », c'est la foi en la capacité de Dieu de te guérir. Ce que je vais rajouter par rapport à ce que le pasteur Jérémie a dit concernant la foi, parce qu'on sait que la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est bâtie sur ce que Dieu veut. Amen. On sait déjà que c'est ce que Dieu veut. Je vais juste rajouter le point, rajouter à ce qu'il a dit la semaine dernière, c'est que la foi voit. La foi voit. Tu dois voir la guérison avant de vivre la guérison. Il parle à Abraham et il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais Abraham a 75 ans. Il a 75 ans. Donc son corps lui dit, hors de question. Son âme lui dit, hors de question. Parce qu'il s'appelle Abraham. Mais la Bible dit que Abraham, à un moment donné, Dieu voit que ça bloque au niveau de la foi d'Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Abraham et il va le sortir et puis il va dire à Abraham, compte, regarde, compte le sable de la mer. Compte le sable. Abraham commence, 1, 2, 3, il dit non, c'est trop. Il dit, ok, regarde les étoiles et compte les étoiles. Il commence, il dit, 1, 2, 3, il dit, il y en a trop. Comme tu as vu qu'il y a beaucoup d'étoiles et tu as vu qu'il y a beaucoup de graines de sable, de la même manière sera ta multitude et ta destinée et la famille. Il faut voir. Si tu ne te vois pas guéri, tu ne peux pas être guéri. Parce que la guérison, elle est spirituelle. Lui ne voit que ce qu'il voit. Lui, il doit voir quand il croit. Si tu crois, tu verras. Tu crois dans le présent. Et comme tu crois dans le présent, ça veut dire que tu visualises à l'intérieur de toi ce que tu veux voir manifester. Un exemple, la femme avec la perte de sang. Est-ce que vous me suivez? Marc 5, verset 26. À Marc 5, verset 28 à 29. La femme avec la perte de sang depuis 12 ans, elle dit, elle se disait en elle-même, à l'intérieur, en elle-même, elle se disait, même si je touche ses vêtements, ça veut dire qu'elle a visualisé. Elle dit, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Ça veut dire que quand elle le dit, elle se voit
en train de toucher les vêtements. Et regardez la suite, verset 29. Verset 29. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Avant d'avoir touché Jésus, elle a vu qu'elle était guérie en touchant Jésus. Très simple, mais tellement puissant. Vois-toi en train de te lever. Vois-toi en train de jouer avec tes enfants. Vois-toi en train de soulever tes enfants. Ce que tu ne peux pas faire, vois-le. Vois-le par la foi. Parce que la foi emmène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi voit. Tant que tu ne vois pas, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. J'ai tellement de témoignages dedans, mais je ne vais pas rentrer dedans. Foi. Quand j'ai acheté, quand nous sommes arrivés à l'église, on avait une petite salle qui prenait 400 personnes. Et pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, on sera très peu d'ici 2 ans. Alors j'ai dit, ok, l'église, mettez la main sur les murs, mettez la main sur les murs. Allez, on a mis la main sur les murs. Et puis j'ai dit, allez, poussez. Chez moi, c'est des fous. Hein. Alors tu vois l'église en train de dire, on pousse, allez, on pousse. Et puis je proclamais, il élargit l'espace de notre tente, à gauche, devant, derrière, à droite, même pas 6 mois après, on a acheté. Donc l'église, physiquement, s'est étendue. Et après, je me suis dit, non, on sera encore trop peu. Il faudrait encore qu'on achète de ce côté-là. On dit, église, de ce côté-là, allez, on pousse. Donc chez nous, on pousse tout le temps. Mais c'est la grâce que nous avons, en fait. Je veux juste que tu sortes de cette salle en disant, je dois désirer ardemment ce que Dieu veut et ce que Dieu peut faire. Et ensuite, je dois voir, même si ce n'est pas manifeste. Alléluia. Et le troisième point, c'est que le « je reçois » te permet maintenant d'accueillir cette fameuse guérison. C'est un processus. Je veux. Je crois, parce que je vois. Et maintenant, je crois. Je crois, parce que je vois. Et maintenant, je reçois. Très bien. Je reçois, ça veut dire que je dois accueillir cette guérison. OK. Alors, recevoir, c'est pas dans la prière. C'est l'erreur que l'on fait. On va aller prier et je vais recevoir. Non, non, non. Tu ne reçois pas dans la prière. Tu reçois avant de prier. Tu reçois avant de prier. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Ok ? Ce qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe. Avant que je m'approche de toi pour prier, je crois déjà que tu existes. OK. Et comme je crois que tu existes, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu es le Dieu qui guérit et que tu es le Dieu qui restaure. Je crois déjà. Amen. Dois croire d'abord que Dieu existe. Et avant que je m'approche, je sais que tu rémunères ceux qui te cherchent. Donc, quand je vais prier, je ne prie pas pour la guérison. Je prie parce que je veux te trouver. Parce que si je t'ai trouvé et j'ai trouvé ton cœur, j'ai la guérison. Je ne cherche pas Dieu pour la guérison. Je cherche Dieu pour son cœur. Je cherche le Dieu qui guérit. Je ne cherche pas la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne cherche pas Dieu parce qu'il a des bonbons à me donner. Je cherche Dieu parce que j'ai besoin de Dieu. Et je vais te dire, pour atterrir quelque chose qui va peut-être te faire un peu mal, mais il faut que ça te fasse quand même un peu mal. Un petit peu. La Bible dit, dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Quand vous priez,
Vous priez parce que vous l'avez déjà, pas parce que vous le voulez. Alléluia. Vous priez parce que vous l'avez déjà. Dis, j'ai déjà ce dont j'ai besoin. Seigneur Père, fais-moi la grâce de m'approcher de toi avec la ferme assurance que j'ai déjà ce que je recherche. Parce qu'en réalité, avant que je te demande, tu sais déjà ce que je vais te demander. Donc je te dis déjà merci. Et si je te demande quelque chose, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Pour que j'accomplisse ta volonté. Dis-moi deux fois amen.